Bonjour tout le monde. Donc me voici pour une vidéo. Je vais commencer par un petit haul AliExpress et j'ai reçu quelques petites choses et on va faire un tuto décoration taille de chez Action. Donc je vais commencer par AliExpress. Hop là, désolé pour le bruit. J'ai reçu deux petites choses. Quelques petites choses. Je vais commencer par celui-là. En fait, j'ai commandé ces deux tampons avec le médaille. Et le vendeur m'a offert un petit cadeau. Je vais l'ouvrir. Donc voilà le petit cadeau qu'il m'a offert. Il est vraiment sympa le Dyes avec les fleurs comme ça. Voilà. Donc voilà le petit cadeau qu'il m'a offert. Et moi, j'avais acheté le set de tampons comme ceci. Avec les Dyes. Donc vous avez le sapin, ici un ours, une biche, un petit renard qui regarde le sapin. Je sais pas si vous voyez bien. De toute façon, je vous mettrai les liens en barre de description. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir. Ensuite, en tampon, j'ai trouvé ceux-là, je les ai pris. C'est des tampons en forme d'attache. Vous avez différentes pinces. Une petite pince à linge ici. Les anciennes pinces à linge. Enfin voilà. J'ai pas pris de règle, donc je sais pas les dimensions, mais ça doit faire une 20, à peu près 25 cm de hauteur. Donc on en a pas mal. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tampons pinces. Ensuite, j'ai craqué pour cela des boissons pour les vacances, pour décorer les albums de vacances. Ça peut être pas mal. Donc, vous avez différents cocktails. Ici, vous avez le mojito. Ici, je sais pas vraiment. Enfin, voilà. Je les connais pas tous, les cocktails. Celui-là, on dirait un margaritas ou je sais pas. Enfin, voilà. Il y a quatre modèles de cocktails. Donc, je l'ai trouvé super aussi, comme je disais, pour les albums de vacances. J'ai craqué pour ce set de tampons écriture, donc vintage comme ceci, pour faire un fond de carte. C'est super. Et je suis désolée, il y a les reflets, mais je ne peux pas faire autrement. Et franchement, il est super aussi celui-ci. Et en fond de carte aussi, j'ai pris celui-ci avec l'étoile d'araignée. Celui-là, vous le voyez mieux. Voilà. Pour Halloween, c'est pas mal. Donc, j'avais reçu la dernière fois les dice comme ceci. Et j'ai dit que quand j'aurais reçu les tampons, je vous montrerai. Donc, je les ai reçus. C'est pour ça que j'ai fait ce petit haul AliExpress aussi. Voilà. C'était celui-ci. Vous voyez, le petit renard est vraiment trop trop chou. La petite biche, l'écureuil ici et l'hérisson, il est là. Donc voilà. Ils sont vraiment trop choux. Je suis désolée si vous entendez du bruit, mais il y a mon voisin qui est en travaux. Donc j'espère que ça ne vous gêne pas pour la vidéo. Ensuite, en tampon, c'est tout. J'ai pris deux plaques de gaufrage. Donc j'ai pris celui-ci avec les nids d'abeilles. Donc je vous dis pas les prix parce que de toute façon avec AliExpress ça varie. Et de toute façon je vous mettrai les liens en dessous, deux barres d'infos, mais ça dépasse pas les 5 euros. Ou... Même 5 euros c'est beaucoup, je crois que c'est 4 euros le maximum. Celui-ci, plaque de gaufrage, donc ça fait 10 par 15 à peu près. Et celui-ci dans le thème marin, avec les encres. Donc voilà, et ensuite c'est des dyes. Donc j'ai pris ce dice-ci, donc je ne le pensais pas aussi grand, c'est pour faire des petits sacs. Donc j'essaierai d'en faire un si j'y pense, si j'ai le temps de la semaine prochaine. Donc, voilà, des petits sacs pour mettre sur les tables de Noël en cadeau. Je les trouvais super, mais ils sont vraiment très grands. Donc en gros, une fois que vous avez plié ça, voilà, ça fait ça et ça doit faire au moins une quinzaine, voire une vingtaine de centimètres de hauteur.
Mais il est vraiment très très bon. Et comme j'en fais plusieurs, je préfère avoir les dice parce que m'amuser à couper 6, 8 sacs, des fois c'est un peu barbant. Donc je prends la découpe, elles sont super. Et au moins tout est propre. Alors ensuite j'ai commandé ce dice-ci. Donc ils m'ont offert un petit cadeau ici. C'est le symbole Superman. Donc voilà. Donc ça doit être le même ordre que la dernière fois où j'ai eu la Reine des Neiges. Mais celui-là il est super, le symbole. Donc c'est un dice comme ceci. En fait c'est Mickey en bébé. Mickey bébé avec un petit nounours. Donc le nounours il est vraiment beau et très grand. Je pensais pas aussi grand, il doit faire au moins une dizaine de centimètres. Et je vous montre, mais vous le verrez pas très bien. Ça donne ça si vous avez Mickey ici et derrière vous avez le nounours. Et l'image est pas belle donc vous le verrez pas bien, mais je vous mettrai le lien, vous verrez. Il est vraiment très très beau celui-là. Et je le pensais vraiment pas aussi grand. Donc c'est super. Donc voilà pour le haul AliExpress. Ah si, j'ai reçu aussi ce moule que j'ai commandé. Et en fait, je l'ai déjà. Donc, pour un futur concours ou un échange, si vous êtes intéressé, voilà. C'est des chiffres. Donc voilà. Alors, on va passer décoration tag. Donc j'ai pris celui-ci. Finalement je vais le laisser comme ceci, tout simple, enfin tout simple, je vais pas le décorer ici, enfin ah, je vais pas y arriver, je vais laisser l'image, voilà. Et donc j'ai pas pris grand chose, il va pas me falloir grand chose. Donc c'est les tags comme ceci de chez Axio. Je vais prendre aussi, si je retrouve, oups là, un petit papillon comme ceci de chez Nose dans le kit comme ceci. J'ai pris le marron foncé. Donc hop, j'ai mon bazar. Donc on va. Je vais pas faire grand chose sur le tag. Je vais juste décorer un petit peu de fleurs comme ceci. Enfin là, il y a un bout qui me gêne. Voilà. Et je vais mettre un petit papillon quelque part par là. Voilà, ça va être très simple. Vous ne voyez pas très bien. Je vais mettre peut-être un zoom. Là. Pas trop parce que je sais pas pourquoi il fait tout flou. On va le faire comme ça et je vous montre après. Je sais pas pourquoi il m'énerve cet appareil photo, il faut que je le change. Donc on va coller ça. Et je vous montre juste après ce que ça donne. Donc il ne faut pas grand chose. Je vais prendre ça. J'arrive, c'est ma colle qui m'embête. Voilà. Donc je vais coller la grosse rose. Comme ça. Et je vais mettre deux petites roses blanches. Donc les roses viennent de chez Action. Les blanches viennent de la petite couronne qu'ils faisaient avec plein de roses autour. Et les autres, ça vient d'un pack de fleurs. Je les ai plus, j'ai tout enlevé. Je peux pas vous montrer. Hop. Donc c'est presque un tuto tag, presque 100% Nose, Action pardon, presque, sauf le papillon. Bon, j'aurais pu prendre des papillons en métal de chez Action, hein. Vous pouvez aussi, ça ne va pas coller comme c'est plastifié. Bon, attends, je n'utilise pas trop les pistolets à colle, je déteste ça. Donc c'est pour ça, je m'embête avec des colles comme ça, mais... Voilà, on va attendre un peu que ça sèche. On va mettre le papillon. Donc je vais le plier un petit peu en deux. Légèrement. Hein.
pour donner un peu de volume. Voilà, pas trop appuyé au milieu. Hop. Et je vais mettre des carrés de double face. Voilà. Hop. Maintenant, on va voir où on va mettre ça. Peut-être par là. Hop. Et voilà. Hop. Je redonne un peu de volume. Donc maintenant, on va trouver un petit ruban. Donc j'ai pensé à celui-ci. Donc oui, je voulais vous parler aussi de ça en fait, non, pendant mon tour de scrap room, mais bon. J'ai vu une vidéo, je ne sais plus le nom. Si je me rappelle, je vous mettrai le lien en barre de description. Elle rangeait les fameux rubans comme ceci de chez Action sur les petites bobines comme ceci, pareil de chez Action. Donc je suis en train de faire le rangement. Je vois que ça fait l'impression que la caméra est floue. Je vais dézoomer un peu, je sais pas. Oui. Donc dans les bobines en bois de chez Action comme ceci. Vous voyez, j'en ai fait pas mal, si vous voyez. Évidemment. Hop là, désolé. Donc voilà, je commence à en avoir pas mal. Voilà. Et celui-là, il s'est défait, il faut que je le refasse. Et pour les faire tenir, elle avait parlé de mettre ici des petits élastiques. Vous savez, pour faire les bracelets. Les bracelets élastiques, je sais pas comment ça s'appelle. Donc voilà, j'ai piqué son idée. Donc, je vous mettrai en description si je retrouve le lien. Enfin, la vidéo, parce que je me souviens pas trop. Donc je vais utiliser le ruban de chez Action, le vert comme ça, qui venait avec du noir, si je me souviens bien, et les blancs. Il y avait du tissu et des boutons dedans avec. Donc on va utiliser ceci. Et j'ai pas pris de ciseaux pour couper. Super, je reviens. Désolée, je traînais un peu mes chaussons, donc je vais essayer de lever les pieds quand même. Voilà, donc on va pas en couper un trop gros bout. Je pense que là ça ira. Donc hop. Comment? Oui, je vais le faire comme ça. Si j'arrive à le faire passer. Je vais voir si ça fait moche ou pas. Si j'y arrive. Voilà. Bon, c'était plutôt dans l'autre sens, mais bon, c'est pas grave. Je vais mettre dans l'autre sens, ça va pas du tout. Je suis désolée. Ma mère qui m'envoie un message. Donc il risque de sonner, je vais couper le son. Ah, m'embête. Donc voilà. Donc le tag, voilà, il n'y a rien de compliqué. J'ai pas fait quelque chose de vraiment compliqué. C'est plutôt sympa pour offrir. Je suis embêtée avec ce ruban. Voilà, ça va. Donc voilà. Vous voyez, rien de compliqué. J'ai juste rajouté. Finalement, j'ai gardé. Donc vous voyez, le tag d'origine, j'ai rien touché. J'ai juste rajouté 3 roses et un petit papillon et la corde. Et voilà, c'est ce que ça donne. C'est super. Donc je suis contente, ça rend plutôt bien. Donc si ça vous donne des idées pour les tags de chez Action, voilà. En plus, comme ils sont épais, c'est super, ça tient très très bien. Voilà. Voilà pour ce petit tuto tag de chez Action. Donc j'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo. Et je vous retrouve très vite du coup pour d'autres vidéos. Je sais pas encore quoi. Peut-être haul, peut-être tuto. Je vais réfléchir, peut-être faire un autre tag. Je vais voir. Donc voilà ce que ça donne. Je vous le remontre. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous et vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous.